chrétiens. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que chez nous les juifs, on a une autre logique. Il y a la logique cartésienne, 1 plus 1 égale 2, et après il y a la logique juive. La logique juive, elle est pas tout à fait... elle est au-dessus de la logique. La logique juive, elle dit comme ça. Tout ce qui nous est arrivé jusqu'à présent, c'était que des choses impossibles. La mer qui souffre, c'est impossible. Qu'on sorte d'Égypte, c'est impossible. Qu'on crée l'État d'Israël, c'est impossible. Quand on parle, de, il y a 70 ans, vous parlerez à des gens, ils disent, il va y avoir un pays de juifs. Présentez, si les juifs vont avoir un pays, on a eu un pays. Après, 800 millions d'Arabes autour, ils vont nous faire la guerre. Ils vont se faire écraser, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Chez nous, la constante dans l'histoire, c'est qu'il faut toujours qu'on soit dans une situation où c'est impossible. Parce que c'est là où se crée le miracle. Si c'est possible, alors c'est grâce à nous, parce qu'on était intelligent, parce qu'on avait des contacts, parce qu'on avait de l'argent. Mais là, ça peut être que de Dieu, parce que c'est impossible. Quand on est le dos à la mer, et que les Égyptiens en face, et bien c'est là que le miracle vient. C'est tout à fait. Ça, c'est la logique. Et là, cette situation-là est impossible. On a tout contre le Jésus. Qu'est-ce que c'est impossible? Les rabbins ne vont pas être d'accord, les arabes ne vont pas être d'accord, l'État ne va pas être d'accord. C'est pas possible. Donc, on a tous les ingrédients ici pour fabriquer un miracle. Vous comprenez? Je ne sais pas si ça vous motive ou si ça vous... Mais moi, j'y crois. Moi, je sais que la vérité, je m'en fiche. Et un truc qui est vrai, si vous me dites, si le monde entier me dit, bah, ce bouchon-là, il est bleu, moi, je dis non, il est rouge. Il faut venir 200 millions de personnes, mais tout ça, et ça c'est bleu, non c'est rouge. Et je resterai, et je tiens, je change pas. J'ai dit tout à l'heure que ça serait très important si la tribu de Siméon s'allierait à la tribu de Judas. Oui. Et pour quelle raison tu dis ça? Dis-nous les... Alors ça c'est une question difficile. le Judas c'est la tribu royale. Vous savez que nous les Juifs on doit devenir une royauté. Les royautés, c'est plus la mort, c'est la démocratie, vous savez, avec les droits de l'homme et tout ça. Quand on, avec un petit peu de logique, on s'aperçoit que dans un royaume, quand il y a un roi qui dirige, c'est un homme qui dirige. Qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, ça ne change pas. Ça reste un homme. Donc le peuple reste aussi des hommes, bons ou mauvais, mais ils ne perdent pas leur humanité. Quand c'est dans une démocratie, vous ne savez pas qui c'est qui gère. Vous avez des politiciens. Vous avez la main droite, c'est parce que la main gauche le fait. Vous ne savez pas qui c'est qui contrôle. Vous ne savez pas qui est derrière. Tout est obscur. Ce n'est pas un homme qui dirige. C'est l'ensemble d'hommes qui sont tenus. On appelle ça un panier de crabe. C'est-à-dire que tout le monde se tient. Vous en prenez un, il y a tout le panier qui vient. Vous comprenez? Ça veut dire que dans les démocraties, dans les républiques, dans les États, ce n'est pas un homme qui gère. C'est un C'est comme un zombie, c'est quelque chose qui se voit pas. Alors donc vous avez des acteurs, des gens qui vous parlent à la télévision avec des cravates, qui vont rester un certain temps, qui vont partir, qui vont dire une chose, qui vont pas dire, qui vont mentir, tout le monde, ils mentent tous. Et quelque part, vous allez vous rendre compte que dans une démocratie, les gens ont tendance à se déshumaniser, à perdre leur nature humaine, parce que celui qui est à la tête n'est pas un homme, c'est une machine. En France, il y a 40 familles qui gèrent la fortune française. En Chine, c'est 75 familles environ. Ici, 12. C'est l'argent qui gère. Dans la démocratie, c'est pas l'argent. C'est l'argent. Les politiciens, ils font qu'est-ce qu'on leur dise. C'est connu, ça suffit. On le sait, il y a 30 ans encore pour avoir des doutes, maintenant, ça suffit, on le sait. Ils sont tous corrompus, ils sont toujours chopés pour des magouilles, des machins. Ça suffit. Donc le royaume, c'est quelque chose qui est... où l'honneur, il a encore un sens. Alors que dans une démocratie, c'est l'argent. C'est connu. Et automatiquement, donc, si on doit devenir un royaume, et on doit revenir et réinstaurer un système de royauté où celui qui dirige en haut, c'est un homme, d'accord, à partir de ce moment-là, il y a un processus qui doit se faire. Et chez nous, la tribu qui va sortir, ce roi qu'on ne connaît pas, c'est la tribu de Judas. Et Siméon est inclus dans la tribu de Judas, il est englobé. Et il se peut très fortement que la tribu de Siméon ait un rôle à jouer dans la royauté.
D'ailleurs, c'est une petite anecdote, mais vous savez que chaque lettre en hébreu a un chiffre, correspond à un chiffre, le A c'est le 1. Et quand le mot royauté en hébreu, c'est le mot malchut, qui a une valeur grammaticale de 496, qui correspond exactement à la valeur de Judas, Yehuda, 30, et la valeur de Siméon, qui est 466. 466 euros plus 30 euros, ça fait combien? 96 euros. Vous comprenez? Donc, par rapport au fait que Siméon, après ce que je vous dis comme ça gratuitement pour l'instant, proviendrait de Ésaü, vous savez qu'Ésaü, on dit qu'il était rouquin. Le mot pour rouquin, on est quoi? C'est oui. Et donc, c'est autre chose. Mais quand il est né, on l'a appelé Admoni en hébreu, ce qui veut dire cuivré, rouquin, comme ça. Mais ce mot-là, il est écrit que deux fois dans toute la Bible. Il est écrit pour Ésaü, et vous savez pour qui d'autre? David. Alors moi, je suis juste, je viens réfléchir. Je dis, mais pourquoi est-ce que la Torah doit me dire que David, il était rouquin comme Ésaü? Qu'est-ce que j'en ai à faire? Ça me donne quoi? Là, on me fait un lien secret, on me dit secrètement, tu sais quoi? Il y a un rapport entre David et Ésaü. Alors, en dehors de la nature, David aussi a versé beaucoup de sang, il sortait, il avait une nature un petit peu, il était tout feu, tout flamme, un petit peu comme les gitans que j'ai connus. Mais il a un lien, et ça c'est dans le texte, c'est en surface du texte, avec Ésaü. Quel lien, on ne sait pas. Mais le texte le dit. Vous savez, Ésaü est comme ça, et bien David est comme ça aussi. Donc on va savoir si David, qui vient de Juda, ne viendrait pas aussi peut-être de Siméon, qui est au sein de Juda. Puisque dans le livre d'Esther, les Juifs, quand on lit en profondeur, sont décrits par Siméon plus Juda, sont appelés les Juifs. Vous comprenez? Donc c'est profond, ça fait mal à la tête. Tu dis que dans la Torah, il faut faire une belle expression. Il faut lire le blanc. C'est ton expression, la tienne. Plutôt que le noir, moi, dans ce que tu as dit là, si je lis le blanc de ce que je t'ai dit, je comprends quelque chose d'important. C'est ça que tu veux dire? D'accord. Et, je m'excuse, je le dis juste comme ça. Oui, tu avais dit que donc si les deux tribus se mettaient, là j'ai compris, mais ce serait la fin. Mais la fin de quoi? Écoutez, d'abord, d'une part, ça va être la fin de la démocratie. Parce que si Israël, encore une fois, c'est encore une possibilité, redevient une royauté, toutes les démocraties et tous les systèmes d'État dans le monde vont tomber et on va faire revenir les rois. Les rois vont revenir. Vous savez qu'il y avait des rois en Europe il y a 150 ans, on ne parle pas d'il y a du maintenant. 150 ans, il y avait un tsar en Russie, il y avait des rois, il y avait des empereurs. Bon, là, je vais partir peut-être sur un sujet qui est... Je vais ouvrir une rapide parenthèse que vous compreniez, et je vais la fermer. La parenthèse. vous savez qui était plus puissant que les rois à l'époque de... il y a 150 ans, 100 ans, 100... Non. Non, l'Église, c'est pas... Non, même les empereurs. On va dire plus puissant que les empereurs que les rois. Les banquiers. Les banques. Les banques qui avaient l'argent, plus d'argent que le roi, ils prêtaient au roi. Et vous savez qu'est-ce qu'ils faisaient pour se faire rembourser? Parce que le roi, il va prendre de l'argent pour faire une guerre. Il a besoin de 2 millions de louis. Il emprunte, on lui donne. Et à quoi il le rend? Alors les banquiers, ils disent, écoutez, exactement ce qu'ils ont fait en Grèce. Ils disent, bon, tu vas mettre une taxe sur le sel, tu vas mettre une taxe sur ça, ça c'est pour moi. La concession du port là-bas, tout ça c'est pour moi. La route commerciale, tac, c'est à moi. Maintenant, si le roi ne veut pas vendre l'argent, il dit, je ne vous rends pas l'argent. Voilà, c'est pas compliqué. Les banquiers ont tous les moyens de financer les révolutions ou de financer une guerre. Ils vont donner des armes à son ennemi et il n'y a plus de royaume. Alors, il faut comprendre une chose, c'est qu'à la même époque, tous les royaumes sont tombés. Le tsar en Russie, tous les royaumes, toutes les révolutions se sont faites à peu près à la même époque. Et quand on comprend, on analyse les choses, on s'aperçoit que derrière toutes les révolutions qu'il y a eu, qui ont fait que les royaumes sont tombés, il y a eu derrière la main de gens puissants organisés en, en,
en fraternité secrète, en secte un petit peu, et qui ont permis de faire ça. Quelque part, vous savez, les banquiers qui étaient puissants et qui sont tout puissants aujourd'hui, je ne parle pas des familles de banquiers comme la Banque nationale de Paris, je parle des familles qui détiennent toutes ces banques-là. C'est un petit groupe, hein, c'est une élite financière. Mais ces gens-là, ils sont très puissants et ils ont pu permettre de faire tomber les royaumes et de remplacer les royautés en démocratie ou en État, où l'argent est roi. C'est logique, hein? Donc, d'ailleurs, vous allez voir qu'il n'y a jamais eu autant de massacres dans le monde, autant de pauvres, autant d'holocaustes que depuis qu'il y a la démocratie. Mais en fait, c'est autre chose, c'est un autre sujet. C'est la fin de... les rois reviennent dans tous les pays, et automatiquement, l'humanité revient. L'humanité revient, c'est-à-dire les gens vont redevenir un peu plus humains. Ils vont redevenir humains, ça va redevenir plus de valeurs. Les anciennes valeurs qu'on avait, la tradition, la famille, on l'a aujourd'hui, c'est fini. Oui, vous. Et encore, je vais vous dire, quand on est 2-3 générations, vous avez des problèmes, nous aussi. Ça s'en va. Donc toutes ces valeurs-là, ces anciennes valeurs, ben, elles se perdent dans la démocratie. Parce qu'on nous leurre avec, vous savez, tout ce qui est droit de l'homme. Mais il n'y a pas de droit de l'homme sans devoir de l'homme. C'est un piège. Alors, vous avez des droits, vous n'avez pas de devoirs. Bien sûr qu'on a des devoirs, mais on n'en parle pas. Vous n'avez que des droits. Ben, bon, c'est une parenthèse, moi, on devient un peu sur de la politique un petit peu. Mais c'est très important donc, que Siméon revienne au sein de Juda, et ce n'est pas tout le monde qui va revenir, hein, je veux dire, c'est pas, vous ne pensez pas, je ne parle pas du judaïsme, non, parce qu'il y a aussi le problème de la chrétienté, du judaïsme, de la religion. Vous savez ce qu'on dit chez nous? À la fin du temps du Messie, il n'y a plus de religion. Toutes les lois de la Torah, on fait Soukot, on fait tout ça, ça s'annule. Et pourtant, ce sont des lois de la Torah. Au temps du Messie, on dit qu'il n'y a qu'une fête qui va rester. Encore, c'est encore vérifié parce que peut-être qu'il y a des discussions à ce sujet-là. C'est la fête de Pourim. Ça va rester. Au temps du Messie, si loin, il doit y avoir un Messie qui sort et qui se déclare, automatiquement, ça va être. C'est la dernière loi, chose qui va être conservée, ça va être Pourim. Tout le reste saute. Parce que la religion en fait, n'a plus d'utilité puisqu'elle a été faite pour conserver les informations. Maintenant qu'on va les faire fleurir, il n'y a plus besoin de les conserver dans l'état où elles étaient. Maintenant, il va y avoir une autre période de temps où on va grandir. Donc c'est comme une renaissance un petit peu. Mais après, bon, ça, je n'ai pas trop d'informations. Ça m'intéresse pas trop. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, on a des problèmes concrets aujourd'hui. Et c'est ce qui m'intéresse. Après, tout ce qui peut se passer dans l'avenir, c'est bien beau, mais ça, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Mais on peut comprendre où ça va.